essentiel de ce mercredi. Demain commence par un trou. Exactement, un coup de rabot sur la PAC. La Commission de Bruxelles vient de proposer son budget pour l'après-Brexit avec des coupes franches qui fâchent la France et les agriculteurs. Moins 5% sur les subventions à l'agriculture. C'est un aspect du Brexit que l'on avait moins anticipé. Le trou budgétaire engendré par le départ des Britanniques, un manque estimé à 12 milliards d'euros minimum après 2020. En clair, il va falloir que les Européens se serrent la ceinture dans les prochaines années. La Commission de Bruxelles devait donc aujourd'hui faire une prévision de budget post-Brexit. En apparence, le budget général est en hausse, mais certains secteurs, notamment la PAC, vont se voir sérieusement amputés. À Bruxelles, Pierre Benazé. Pour compenser le manque à gagner du départ du Royaume-Uni, qui représente 15 milliards d'euros annuels en moins... Ce qui a été proposé par la Commission européenne aujourd'hui est inacceptable, et donc ne sera pas accepté. C'est inacceptable parce que c'est en quelque sorte vouloir dire à tous les paysans d'Europe le coût du Brexit sera payé uniquement par vous. La PAC a représenté jusqu'à 60% du budget européen. Aujourd'hui, c'est 37%. Et la France, premier pays bénéficiaire, est très dépendante de ces aides. Les propositions de la Commission doivent être débattues et votées avant mai 2019. Le bras de fer ne fait que commencer. Hello, Stefan. Hello, Stefan. How are you? Fine, very fine. And you? It's very fine. Thank you for calling. It's very, very good. Je souhaitais t'avoir au téléphone concernant la proposition de la Commission sur la PAC. La Commission propose une baisse de 5% du budget de la PAC. Moi, je me suis déjà entretenu avec un certain nombre de nos homologues et nous avons convenu de nous mettre d'accord sur un document de position que nous pourrions rendre public pour rassurer d'abord nos agriculteurs, parce que ça, c'est important, et sur notre engagement aussi commun à négocier âprement ce budget. Et nous souhaitons savoir si la Finlande pourrait se joindre avec nous à cette initiative. La Commission a fait une proposition et nous l'avons dit clairement dès le début, dès le 2 mai, ce projet de budget est inacceptable. Et donc, il ne fallait pas rester les deux pieds dans le même sabot. Nous avons souhaité travailler avec d'autres pays. Nous avons constitué un premier groupe de travail avec l'Espagne, le Portugal, la Finlande, l'Irlande, la Grèce et la France pour faire en sorte de proposer un mémorandum pour rappeler quelle était l'ambition que nous souhaitions porter pour la PAC. Je peux l'emmener, je vais en Bulgarie lundi pour négocier la PAC. Hier, vous l'avez dit, j'étais à Sofia. Et la semaine dernière, j'étais à Madrid. Nous avons créé ce qu'on appelle le groupe de Madrid, où avec 6 États membres, eh bien, nous avons porté une ambition pour la PAC. Et hier, à Sofia, je n'ai eu de cesse d'aller contacter nos autres partenaires, d'autres États membres, pour qu'ils puissent nous rejoindre, pour porter avec nous le mémorandum que nous avons créé. C'est-à-dire faire en sorte que nous puissions avoir un budget à hauteur des ambitions de la PAC.
sommes partis à Madrid, nous étions 6, aujourd'hui nous sommes 20. Donc c'est le signe que la proposition qui a été faite par la Commission ne peut pas être acceptée aujourd'hui. J'ai eu l'occasion dans mon propos de rappeler d'abord que ce budget était inacceptable, et c'est pas au moment où on demande aux agriculteurs de faire des efforts. De faire des efforts sur la réduction des produits phytosanitaires, de faire des efforts sur la qualité de leur production, de monter en gamme, de réaliser des plans de filière, que nous allons les priver de ce qui leur permet justement de réaliser ces efforts et de contribuer à cette montée en gamme que nous appelons de nos vœux.